Même si tu t'opposes à moi, Jace, je t'aiderai. J'avais prédit ton échec, Jace. Mais j'espérais me tromper. Rejoins-moi, Jace. Ensemble, nous sauverons l'humanité. C'est aujourd'hui à moi de te sauver, Jace. Noxus saura-t-il faire passer le bien commun avant ses propres intérêts, Ambessa? Tes plans pour l'Extech ne sont plus compatibles avec les miens, Ambessa. As-tu besoin de ton fusil pour voir la menace qui plane sur nous, Caitlin? L'amour peut fausser les priorités, Caitlin. Ceux qui refusent de l'aide sont souvent ceux qui en ont le plus besoin, Powder. Powder, sans ordre, le chaos ne mène qu'à la destruction. Je connais ton esprit, V. La rage et l'amour y brûlent avec la même passion. La souffrance n'allège pas la souffrance, V. Vander est certes perdu en toi, mais je reste encore capable de l'aider. Tu m'as ouvert ton esprit, Vander. J'aurais aimé pouvoir t'aider davantage. Bienvenue, professeur. J'espère que vous garderez l'esprit ouvert. Nos débats me manqueront, professeur. Un homme de science tel que vous doit bien voir que nous sommes au bord du gouffre, docteur Revek. Dommage que nous n'ayons pas pu trouver un terrain d'entente, docteur. Ta corruption ne profite à personne, baron. La rage t'aveugle, dragon. Laisse-moi t'aider. Sois libre à mes côtés. Ne t'es-tu jamais demandé quel était ton plein potentiel? La gloire t'attend, si c'est ton souhait. Tout le monde mérite de trouver la paix intérieure. Peu m'importe que tu te ranges du côté de Zone ou de Piltover. Tu en valais la peine. Une hostilité injustifiée. La mort mène aussi à la paix. Tu n'as plus à souffrir. Je ne pouvais t'éviter cette fin. Quelqu'un doit les sauver d'eux-mêmes. Dommage. J'espérais que nous pourrions collaborer. Ai-je été juste, Sky? Sans émotion, et pourtant imparfaite. L'exemple même d'efforts gaspillés. Un hommage à la violence. C'est si humain. Un gâchis d'ingéniosité. Transformation systémique. Un nouveau catalyseur. La glorieuse évolution. Vous auriez pu me rejoindre. Le changement est douloureux, mais nécessaire. J'ai un sens de l'humour très particulier. Il me vient de l'arcane. Ah, l'humour, cela ne me manque guère. Tes yeux ne mentiront plus quand ton esprit sera ouvert. Il est plus simple de rejeter l'illumination que de l'accepter. Reste avec moi, Sky. Le changement est inéluctable. Ce n'est pas ma chambre. Étrange. Est-ce l'œuvre de l'arcane? De nombreux exploits naissent de l'échec. Ma mission transcende la mort. J'ai vécu une vie si étrange que plus rien ne me surprend. J'ai foi en ma communauté. Elle aura su rester forte en mon absence. Mon dessein reste inachevé. Me revoici. Tous ceux qui viendront à moi seront guéris. Je dois malheureusement m'absenter, mais c'est pour le plus grand bien. Pour
Pour être responsable de multiples personnes, il faut être à l'aise avec l'instabilité. Des voix m'appellent. Je ne peux les laisser sans réponse. Il ne faut pas craindre l'inconnu. Mon esprit est partout, mais mon corps est ici. Apportez-moi votre aide. Je perçois un danger. Une variable a disparu. Mon arrivée est imminente. Oh! Ma communauté apprécie grandement votre boutique. J'ignore pourquoi. Cela me rappelle étrangement mon atelier. Tout s'accélère. Le conflit mène à la croissance. Nous progressons, évoluons. Réfléchis à tes actes. Un esprit limité. N'aie crainte. Maelstrom Arcanique! La révolution est en marche. Impulsion récursive. Un rappel douloureux. Oublie tous tes doutes. L'évolution offre des opportunités. Cesse! Ne bouge plus. Reconnais tes limites. Ceci est un avertissement. Contrôle-toi. Tu devrais battre en retraite. Ainsi soit-il. Ce sera bref. Une réaction en chaîne. Ne souffre plus. Tu verras. Tant d'énergie gaspillée. Pour le bien de tous. Fais-moi confiance. Une souffrance inutile. Lutte contre ta nature. N'y vois nulle malice. Un catalyseur. Transcende ton esprit. C'est nécessaire. C'était inéluctable. Je me lance dans l'inconnu. J'espère que d'autres suivront. L'Extex sera leur salut, mais nous devons leur montrer la voie. L'évolution doit atteindre son stade final, sa glorieuse destination. Il reste encore beaucoup à faire. L'humanité ne cessera de souffrir que lorsqu'elle se sera libérée de ses émotions. Et je peux l'y aider. Mes limites m'empêchaient autrefois d'aider les autres. Aujourd'hui, je peux agir. Et je dois le faire. Je sens ta présence, Sky. Comme si tu ne m'avais jamais quitté. Viens, ton aide me sera d'un grand secours. Navré que tu ne puisses pas vivre pleinement ce moment, Sky. Mais au moins, je peux le partager avec toi. Les gens me voient comme un guérisseur. Mais je ne fais que les libérer de leurs entraves. Le corps est libre quand l'esprit l'est. La capacité de transcender sa propre conscience existe en chacun de nous. L'homme que j'étais avant était faible, limité. Je cherchais des réponses qui me dépassaient. Tous ceux qui le souhaiteront seront guéris. Je dois me montrer patient.
Les gens sont incapables de voir objectivement les avantages qui s'offrent à eux. Voilà la preuve que le sentimentalisme est néfaste. L'humanité aspire à la grandeur sans savoir que des entraves la retiennent. Les émotions nous rendent capables du meilleur comme du pire. Je ne peux concilier cela. Il y a un message caché au sein de l'arcane. Je suis sûrement le seul à pouvoir le voir. Un monde sans peine, sans injustice, sans guerre. Cela ne doit pas rester qu'un rêve. Tous pourront profiter de mon savoir. La force collective est éternelle. J'aiderai ceux qui me le demanderont. Nous pouvons transcender nos limites. Posséder un bras supplémentaire est assez pratique. Je suis solitaire, mais jamais seul. Ne croyez pas en moi, croyez en votre potentiel. Pouvoir réaliser les rêves de quelqu'un a quelque chose de profond. Il existe une meilleure solution. Les émotions humaines ont-elles toujours été aussi néfastes? J'ai aidé bien des gens. D'autres suivront. Nous prenons le pouvoir pour le plus grand bien. Une voix douce facilite le changement. C'est par l'immersion que vous comprendrez réellement ce que je construis. La souffrance ne sert aucun dessein. L'arcane me permet de voir notre potentiel. Si seulement il voyait ce que je vois, je peux combler nos faiblesses. Tel est mon destin. Un esprit rigide ne peut évoluer. Nous dissimulons tant de peine aux autres. Je n'ai compris ma vraie force qu'après avoir été libéré de la douleur. La crainte de l'extèque est compréhensible, mais futile. J'ai parcouru un long chemin depuis les crevasses. Tout le monde peut changer. Mon esprit et mon corps sont enfin en harmonie.